Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman. C'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Mais je sais pas si elle va pouvoir venir. Ben moi je sais, elle viendra pas. D'ailleurs, c'est pas crédible, en 1974, si Claude François t'appelle chez toi, normalement tu te jettes sur le téléphone. Je me suis toujours demandé, et si elle avait osé lui répondre? C'était plus la même chanson. Allô? Tu vas arrêter de me harceler ou j'appelle les flics? De quoi? Le téléphone pleure? Ah bah mon salaud, il pleurait moins le téléphone quand tu t'es barré à Alexandrie avec Alexandra. Pardon? Quand tu cries je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur? Ah bah ferme ta gueule. Oui, là c'est à toi que je parle, hein? Oui, quoi encore? T'as mal depuis 6 ans, t'as mal où? Au cœur? Ah bah c'est une gastro. Ouais, depuis 6 ans, bah quand t'auras plus mal, tu passeras à la mairie reconnaître ta fille. Alors, à cette époque-là, Claude François n'est pas le seul à avoir des problèmes avec les femmes. Souvenez-vous, Joe Dassin. Le gars drague une fille, une bergère, pour être exact. Alors déjà, quand t'es une bergère, le taux de probabilité de te faire draguer par Joe Dassin est extrêmement faible. Mais admettons, le mec a faim. Alors tu te dis, va l'emmener faire un petit tour sur les Champs-Élysées et il va la pêcher au Label des Champs, penses-tu? Elle lui dit d'aller siffler là-haut sur la colline et de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Eh ben, il y va, ce couillon. Ah ben, je vous jure, hein, il a cueilli des fleurs, il a sifflé tant qu'il a pu, il a attendu, elle est jamais venue, la salope. Ils étaient quand même vachement sympas, les chanteurs, à votre époque. Hein. Aujourd'hui, si tu demandes à Booba d'aller te cueillir un petit bouquet d'églantines, pas sûr qu'il accepte. Bon, admettons qu'il accepte, faudrait pas qu'il croise un autre rappeur en chemin. Bon, admettons qu'il ne croise personne. Est-ce qu'il va faire la différence entre les églantines et les pissenlits? Non. Booba, le jardinage, c'est pas son truc. Un rappeur n'ira pas te chercher un petit bouquet d'églantines, car il faut bien le reconnaître. Les rappeurs manquent un petit peu de romantisme. Alors, revenons aux années 70 et aux textes romantiques des chanteurs de l'époque. Que je t'aime, que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, je vous laisse du temps pour vous fabriquer l'image. J'aurais jamais dû laisser entrer ce cheval mort dans ma chambre. En plus, il a une haleine de poney. Désolée. Je me suis trompée de chanson romantique. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Tout le monde connaît ça? Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. Et à la fin de la chanson, ils se sont quittés au bord du matin. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Donc je résume, c'est un gars du Nord qui s'est tapé une fille du Sud sur le bord de l'autoroute. Alors, on n'est pas un petit peu au top du romantisme dans les années 70? Dans les années 80, après, pour une autre émission, ce sont les chanteuses qui parlent de leur mec. Donc normalement, on devrait gagner en romantisme. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brûle dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Stop. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau? Comment peut-on parler d'amour comme on parle de voitures? Chérie, je suis fan de tes airbags. Et ta carrosserie, qu'est-ce qu'elle est bien entretenue? Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais t'es la reine de la vidange. Faut pas dire ça, les gars. Hein. Faut pas dire ça du tout, hein. Raphaël Aladraki.